Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 des Petits Paysans, toujours avec Nathan. Salut. À la fin du 15e épisode, donc du prochain épisode, il y aura une valeur de ferme qui sera faite donc pour chaque ferme, hein, au moment où on fera notre débrief de l'épisode. Donc voilà, c'est juste un rappel. N'hésitez pas à proposer des défis également pour le reste de la série, donc pour la suite. Et j'espère que cet épisode vous plaira et on se retrouvera. Juste après l'intro du coup. Bon, je viens de redonner à manger aux vaches. Bon, elles ont pas extrêmement beaucoup. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais elles ont quand même un peu à manger. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller moissonner le champ, les champs là. Voilà. Donc j'ai déjà la Tucano qui attend. Donc je voulais, moi, vu que Nathan aussi aura de la moisson à faire, je sais pas s'il en a autant que moi, mais il en a quand même. C'est quel ses champs? Ah bah il a dû faire des changements dans ses champs. Mais je pense qu'il aurait récolté avant de vendre, sinon c'est pas logique. Bon, mais ouais, bon, ou alors non, déjà avant il l'avait fait. Enfin bref, il lui reste un champ à récolter, je crois. Ouais, ça doit être ça. Bon, là il va, avec le Valtracu, je pense chercher son matériel. Bref, nous on va partir en moisson avec cette petite Tucano. Vraiment, c'était vraiment obligatoire ça, le pauvre casque qui a rien demandé. Voilà, bon, j'ai semé donc le champ, j'ai dû passer, ouais, je sais pas, j'ai pas compté, mais j'ai dû passer pas loin d'une heure à faire le nouveau champ pour le semer. Voilà, bon, après ça c'est fait, hein, mais c'est quand même du temps, c'est quand même un certain temps qu'il a fallu, mais bon. Allez. On déplie, au moins ça nous fera déjà un bon champ. Je voulais le mettre en soja à la base, mais voilà, il n'est pas en soja, je pense que vous l'aurez compris vu que comment j'ai formulé ma phrase. Bref, non, du coup je l'ai mis en blé parce que j'ai oublié de changer de culture. Ah, j'adore, c'est génial. Enfin, c'est de ma faute, hein, mais bref, passons. Alors, hop, normal, c'est là qu'il faut faire. Tac. Voilà, juste pour savoir, tu te mets. Attends. Contrôle M. Contrôle M. Donc là, tu te mets en largeur automatique. Voilà, c'est mieux quand même. C'est quoi ça? Ah oui, c'est bon, je change tout. Contrôle Alt. Non, ça doit être juste Alt en fait. Non, ça doit être Contrôle Alt en fait. Je sais bien, je connais pas mes touches. C'est normal que ça soit constitué. Et surtout, je crois qu'il faut mettre. Comme ça, je sais pas, mais je crois. Voilà, Alt A, régulateur, non, en marche avant, et là, va falloir quand il sera actif, quand il sera bien. Oui, apparemment, ça prend tout. Je sais pas si, hop, voilà, je me remets comme ça. Voilà, bon, on se retrouve après un petit accéléré de cette moisson. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à tout de suite. Thank you.
viens de finir de récolter, ça fait 1h30 que j'ai lancé cette vidéo-là, enfin ce truc-là, sachant que j'ai commencé à enregistrer au début de la moisson, je crois. Voilà. Donc ça fait un petit bout de temps quand même que j'y suis. Donc oui, ça fait quasiment 1h30. Donc voilà. Donc la moissonneuse. Mais oui, la moissonneuse est là, le tracteur. Et là, c'est vidé, on a fait 55%, donc 17 tonnes, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ça enregistre, j'adore. On a 10 tonnes de soja, si on remplit la benne entièrement, on arrive à combien? Je flemme de calculer. Bon, ouais, 86%. Le prix du soja, il est à combien? Il est bien ou pas le prix du soja? Du soja, on est en avril. Ah non, ça commence à remonter, il va falloir attendre juin. En juin, ce sera bon. Donc, mai, juin. Ok, bon, bah, la benne est là. Elle est prête. Là, j'ai un peu de fumier, bon, on s'en fiche. Du lisier. Ah oui, parce que donc, on va regarder. Allez. Les champs. Pour l'engrais, donc là faudrait mettre du lisier, ça serait pas mal. Et c'est le seul champ que j'ai à traiter avant de semer ou pas, parce que je sais pas s'il me reste de l'engrais dans le semoir. Je crois qu'il me reste pas grand chose, donc oui, c'est le semoir. Là, hop. Il me reste 83 litres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du lisier avec l'occasion, je vais prendre du lisier et ensuite bah, je sèmerai donc tout avec ce John Deere. Non, je mettrai un ouvrier, je pense, pour épandre et puis je sèmerai avec ce tracteur-là en attendant les autres champs. Et puis après, je ferai le 14 en dernier. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, on se retrouve juste après pour voir ça parce que moi je vais faire une pause. J'arrête un peu là après 1h30, j'en ai un peu marre. Surtout que j'ai pas utilisé une fois l'ouvrier, hein. J'ai tout fait moi-même avec le GPS, certes. Donc c'est quand même pas mal parce qu'au moins je peux regarder un autre truc, enfin je peux regarder si j'ai des trucs à faire un peu en même temps, je peux ne pas faire que ça, enfin je regarde, je surveille ce qu'il fait, mais bon, c'est quand même pas mal, ça aide un peu quand on veut pas trop utiliser les ouvriers, mais qu'on n'a pas envie de passer 1h30 à se concentrer sur la trajectoire de la moissonneuse. Voilà, enfin bref, on se retrouve pour de l'épandage, du semis, etc. J'ai lancé l'ouvrier pour épandre du lisier, donc il se sert directement dans le truc, dans l'étable, enfin dans la stabulation pour les vaches. Ça évite de devoir aller faire des allers-retours. Donc là, il se sert et quand il n'y en aura plus, il va s'arrêter, je crois. Et après, je vais devoir le repasser en mode cuve. Voilà. Allez, donc nous, il faut qu'on aille prendre le John Deere qui est à la ferme. Hop, bon ça c'est la Tucano, mais c'est juste pour aller plus vite à la ferme. Voilà, et notre beau John Deere il est là. Voilà, on lève la masse et puis on va pouvoir y aller. La marche avancée peut-être mieux, hein, voilà. Il faudrait que j'aille racheter des semences. Ouais, bah je vais faire ça tout de suite avec le semoir directement. Donc bah je vais au magasin et puis bah de toute façon je vous mets en accéléré parce que pour les semis, je vais également vous mettre en accéléré donc, avec ce nouveau tracteur. Allez, à tout de suite. Thank you.
Bon, voilà, le John Deere, je l'ai préparé sur la benne. On va aller vendre avec le John Deere parce qu'après on fauchera avec le CAS. Donc voilà, pour pas mettre trop d'euros au John Deere, j'ai préféré faire comme ça. Voilà, parce que vu que c'est un tracteur récent, je préfère mettre des euros CAS pour pas qu'il perde trop de valeur. À la limite, le CAS il en perd, c'est pas grave. Hein. Voilà, mais pour l'instant, le John Deere il est neuf. Donc, comme j'ai déjà préparé l'ensemble de fauches et je suis allé faire le plein du CAS en attendant que Nathan ait fini, donc le CAS est là, il attend. On ira faucher juste après avec lui. Je sais pas si on avancera encore d'une journée ou pas, mais en tout cas, on fera ça. Donc là, on va aller vendre, mais je sais pas où faut aller vendre. Attendez, mais il continue à augmenter le prix alors qu'il y a marqué que ça descend. C'est quoi ce bazar? 2001. Ok, c'est celui-là où ça se vend le mieux. Marquez l'endroit. Allez, c'est parti. Je sais pas où c'est. Est-ce qu'on voit bien la route? Mais non, mais ça, j'ai l'impression que c'est farming les bugs. Hein. Oui, c'est farming. Hein. Je comprends pas pourquoi avec un tracteur aussi récent que le John Deere, avec autant d'éclairage, on voit que ça. Enfin, à un moment donné, je ne vois pas pourquoi. Comment on baisse la benne? C'est comme ça normalement. Je sais pas pourquoi. J'ai loupé. Bon, là, X. Oui, parce que je vois rien. Même, donc c'est pas la faute. Bah non, du coup c'est pas une entrée de chambre. Tant pis. De toute façon, je passerai le temps. On passera la fin de la nuit. Là, quand j'ai après, juste après la vente. Hein, c'est juste pour vendre. Je vais rien faire sous la nuit parce qu'en fait, on voit vraiment rien. Je sais pas si c'est les feux, s'il faut que je règle mes feux ou je sais pas quoi dans les paramètres du jeu. Je vois rien. Je vois rien. C'est bon, du coup, je roule sur le champ, désolé. Mais voilà, bon. Mais non, c'est nul. Il faudrait peut-être que je règle dans mes paramètres de jeu ou une connerie comme ça, si c'est comme les gyrophares. Faut que je vois. Je regarderai parce que. Bah, là, ouais. Voilà, c'est tout. Hop. Voilà. Combien on va se faire? En 60 000 quand même. C'est pas mal. Pas mal du tout. On a combien de prêts? Eh ben. On a plus de prêts. C'est fini. Voilà. Bon, enfin, on en refera peut-être sûrement, hein, mais voilà. Allez, hop. Attendez. Ah oui, ça éclaire bien quand même les gyrophares. Là, on voit bien de nuit, c'est bon. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est dans les gyrophares et on va avancer le temps jusqu'à ce que ce soit bon. Voilà. On se retrouve pour un petit accéléré de la fauche, hein, voilà.
j'ai fini tout ce qu'on avait à faire avant les moissons, donc bah là il n'y aura plus qu'à avancer le temps. Faudra que j'en rebanne, mais je suis pas sûr que je ferai ça en vidéo. Je ferai ça en vidéo, je me débrouillerai. Donc là je suis en train de faire la ration totale mélangée pour les vaches, parce qu'elles en ont plus. Et je ferai également une petite miniature avec ça, enfin une petite photo pour que je mettrai dans la miniature sûrement. Voilà, avec la botte de paille. Hop là, tac, marche arrière. Voilà, bon. Mettons ça à plat. Voilà, hop, marche avant. Tac, marche arrière. Hop, voilà. Sa vie. Hop, on va faire une petite capture comme ceci. On voit, attendez, comment on voit, je suis sûr que voilà, non, c'est quand on descend et qu'on est quand on est à côté, mais normalement je croyais que même dans le tracteur on voyait, ou alors faut que j'enlève ça, non, moi je sais plus, enfin bref, du coup je sais pas si elle est pleine, oui, elle est pleine, je crois bien. Allez, on va aller ranger le classe, je pense qu'en rubané je ferai ça avec mon petit classe, ça fera un travail correct pour lui. Pas trop lui demander. Voilà. Hop. Voilà. Tac, on va le poser comme ça. Voilà. Allez, on coupe. Hop. On va aller donner ça aux vaches. Alors, c'est vrai que c'est la boîte manuelle. Celui-là, bah, c'est le seul hein, qui reste en boîte manuelle. Ah, le Genius, c'était pas une vraie boîte manuelle, c'était fallait changer les vitesses, mais il fallait pas débrayer pour changer les vitesses, donc c'est pas une vraie boîte manuelle. Mais pour changer les gammes, fallait débrayer avec le John Deere. Enfin bref, c'était pas totalement manuel. Il y avait des trucs qu'on pouvait faire sans débrayer. Le Renault, faut tout faire bah, en débrayant, mais ce qui est bien aussi. Hein. Voilà, après c'est pas un tracteur pour travailler dans les champs, donc à la limite, c'est pas bien gênant. Voilà, juste pour faire la manœuvre comme ça, il n'y a pas besoin de monter des côtes, de tirer les outils dans les côtes et tout, où ça peut, le tracteur peut avoir besoin de galérer, enfin, où le tracteur risque de galérer un peu, et donc de devoir plus jouer avec l'embrayage, voilà. Ah, on va mettre ça en autre, enfin en autre, vous m'aurez compris, ouais, au milieu. Bon, je ne referai pas une, hein, je le laisserai comme ça. Bon, on va prendre la Tucano, on va partir en moisson. Donc, je vais partir d'abord faire le grand champ de blé. Hein. Voilà, ça me semble pas mal comme idée. Donc, on va prendre la Tucano, ça va lui faire un sacré petit truc à moissonner quand même. Hein. Oui, si, parce que la barre de coupe elle fait 7 mètres 7, je crois, ce qui est pas énorme, mais ça va, hein, franchement. Mais c'est quand même un énorme champ. J'abuse peut-être un petit peu, hein, à peine. Mais non, c'est quand même un bon champ. Donc, ouais, c'est j'espère que ça va aller. Niveau carburant, elle est pleine. À déblouiller. Bah, de toute façon, j'avais fait le plein après la moisson. Donc oui, c'est bon, là, elle est pleine, c'est sûr. Gyrophare, on va les mettre. Voilà, la déblou, bon, tant pis.
Là, normalement, c'est presque mûr, mais ça l'est pas encore. Oui, c'est du colza que j'ai mis ici. Ouais, donc là, on va aller moissonner du blé. Je vais pas vous mentir. Enfin, je sais pas si je vais mettre l'ouvrier ou pas. Je pense quand même, peut-être. Hein, parce que j'ai mis qu'une couche d'engrais, quoique. Ouais, le rendement devrait pas être. Il est pas au max, le rendement, ça c'est sûr. Après, il est quand même pas mal, hein, normalement. Normalement, il est bien quand même, le rendement. Il y a pas de raison. Voilà. Bon, oui, bah, on se retrouve au champ pour le début de la moisson. Bon, du coup, Nathan, qu'est-ce que tu as fait dans cette vidéo? Ben déjà, j'ai ramené un peu tout le matériel. Oui, J'ai un c'était peu dans la dernière vidéo qu'on re... avait tout acheté, oui. Ouais, c'était Ouais. la dernière. J'ai un peu rangé, même si certains trucs sont en vrac. Sauf les tracteurs. J'ai fait le tracteur. Et j'ai fait quelques petits investissements. Tu peux voir On un peu plus loin de la ferme. dans les champs. Là aussi. T'es où? Ah oui. Là, ouais. Ah, t'as acheté une Ben voilà. usine! Ouais, fermenticier avec le coton. Ah ouais! Ah ouais, je comprends ton emprunt, pourquoi tu peux pas acheter un Fendt. Ah ouais, ok. Ah, c'est bien. J'ai même pas eu tellement besoin d'emprunt. C'est l'emprunt, c'est encore de la machine à coton. Ça, j'avais encore un peu de les fonds. Ah non, c'est bien. Moi, je voulais en mettre une Avant pour que les huiles, pour faire de l'huile. Donc voilà. Mais dans le prochain épisode. Franchement, sur le champ, le petit champ que j'utilise plus, la 137, je pense que j'aurai la place d'en mettre quelques-unes, au moins une. Bref, ok. La réserve, la trémie avant de ton semoir, c'est. Tu l'as pas acheté dans cet épisode? Si, je crois, je l'ai acheté dans cet Voilà, épisode. donc t'as acheté, attends, parce que je l'ai vu moi quand tu semais. Ouais, et du coup, je faisais un ensemble avec la sous-soleuse et puis le Voilà, la mec sous-soleuse, qui tu l'avais déjà normal. acheté, je crois. Mais... Voilà, ouais. Ouais, je l'avais bien acheté, ouais. Donc là, t'as Donc la ça va, c'est assez planteuse, tout pratique. le machin, et puis t'as ça qu'il faudrait que tu changes, ce petit truc tout petit là. Ouais. Et la réserve qui est ça, c'est une thune, quoi. Ouais. Ok. Ouais, bon, tant que ça marche. C'est tout ce que t'as fait? Je sais plus si c'était dans cet épisode ou le dernier, j'ai acheté le 133 et le 134 qui étaient en coton. Et le 154 aussi. 133, 134, combien? 100 combien? Le dernier que tu m'as dit? 133, 134 et le 154. Le Cent 154. cinquante-quatre. Ouais. Un peu à gauche du 147. Ah oui, le 154, ok. Et puis t'as acheté le 150 aussi, du coup. Ouais, et j'ai acheté 150 Ok, aussi, ouais. ok. C'est tout ce que t'as fait? Ouais, je crois. Ok. Bon, bah, du coup, on se retrouve dans ma ferme pour voir ce que j'ai fait. Bon, du coup, on attend ce que je fais moi dans ma ferme. Enfin, de mon côté, j'ai semé en hors vidéo donc le champ 140. Les champs 105, 106, ça c'était dans la vidéo. Les champs 158, 159 et le champ 14. J'ai fait ça, j'ai traité en deux couches tous les champs sauf le 140 parce que un peu grand quoi. C'est long. Voilà. Et j'ai mis de l'herbicide pour le coup sur tous mes champs. Après le premier coup d'engrais, ça s'est fait tout seul. Pourquoi j'ai des bottes qui volent? Très bonne question. Ils se sont sur l'autoload. Ils sont Oui, mais pourquoi je n'ai pas mis l'autoloader? sur l'autoload. Voilà, donc attends, je vais les remettre de mon côté, je vais les revider. Ah, puis quand tu appuies la première fois sur Y, elle se réinitialise. Voilà. Tac, clac, 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 voilà. Bon, bref, je suis allé vendre une benne de soja pour 60 000 euros, donc avec le 8R, hein, le beau petit tracteur. Voilà. J'ai fait ça. Je sais plus si c'est dans cette. Je crois que c'est dans cette vidéo. Oui, c'est dans cette vidéo. J'avais mis du lisier dans le champ 14. Donc j'ai consommé toute ma cuve de lisier, plus enfin, tout ce que j'avais en tout. Parce qu'en fait, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je mets l'ouvrier et qu'il prend directement dans la stabule. Ça évite de devoir faire les allers-retours. Donc voilà. J'ai fait ça. Bah, j'ai enrubanné tout le champ là parce que j'ai fauché, pressé et donc enrubanné le champ d'herbe derrière, ici, là.
Ouais. Voilà, Ah donc ouais, j'ai j'avais un pas du petit peu tout. de rendement. Ça a bien repoussé, donc en fait, je pourrais presque refaucher pour faire mon foin. Voilà, donc c'est tout stocké au bout. Voilà, j'ai fait ça. Et puis, tu peux venir voir Auchan 140. J'ai commencé la moisson. Voilà, avec ma petite Tucano. J'ai commencé la Bonne chance. moisson. Merci, merci. Ouais, bah là, il va vraiment falloir du courage pour moissonner tout ça. Je pense qu'un petit ouvrier, j'en mettrais un petit peu. Mais bon, le problème, c'est que vu la taille du champ, ça va me coûter cher. Bon, bref, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait dans cette vidéo. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai encore mis un peu de temps à la sortir parce que je n'étais pas très disponible ces derniers temps. Donc, j'espère qu'à l'avenir, il y en aura peut-être un peu plus souvent. Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous serez nombreux à la voir. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de proposer des défis également. Allez, au revoir.